Hey, salut tout le monde, c'est Axel Éponge. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V pour le braquage d'une voiture. Alors, quelle voiture je vais devoir voler aujourd'hui? Donc, dans gérer entrepôt de véhicules, localisation de véhicules, confirmé. Alors. Ok. Voler l'Omnis. Voler l'Omnis. Alors, allez, l'autre côté. Je suis en jetpack, j'espère que je vais y aller assez vite. Alors, je pense que ça va être un peu simple. Tu vois, je vais aller voir de plus près. On dit quand c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop calme. Alors, je m'approche tout doucement. On va voir ce que ça va se faire. Est-ce qu'il y a des flics autour? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Prenez le véhicule pendant la livraison. Plus il subira de dégâts, plus coûte de réparation élevé. Ok. Ouais, ça a l'air, il n'y a personne. Enfin, il y a 2-3 mecs, mais c'est des PNJ. Ça a l'air facile, on verra bien. Le cas si je suis attaqué, je vais prendre le jetpack pour me défendre. Oh, c'est aussi facile que ça. Donc activation d'une bombe. Poster vitesse. Ah ok. Ouh, j'ai failli me faire exploser, mes amis. En tout cas, j'ai de la chance, heureusement que j'ai le temps de l'IA. Faut que je reste à une vitesse assez élevée pour aller jusqu'à mon entrepôt. Faut pas que je ralentisse. Allez, 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 allez. Il faut pas que je freine, en fait. Le truc, il faut pas que je freine. J'ose même pas appuyer sur option. Donc, si j'étais piégé. Ah, ça me rappelle un film, ça. Ça me rappelle un film. Ah oui, c'est un film d'un bus. C'était une meuf, je crois. Elle est obligée de rouler pour ne pas se faire exploser. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est inspiré d'un film, mais je me rappelle plus de quel film. Tenez bon. On est presque aussi désactivé. Ok, bon, vas-y. Ah, il reste 52 secondes. Vas-y, vas-y. De toute façon, je vais être sur la bonne route, hein. Et ouais, ils étaient en otage. Il y avait des enfants. Enfin, c'est le bus qui était piégé. Puis il y a une femme flic qui les a sauvés, quoi. Qui rentrait dans le bus et qui te faisait le tour de la ville pour essayer de ne pas se faire exploser. Et là, c'est exactement la même chose. Là, je dois rouler jusqu'à ce que ma secrétaire elle arrive à. Enfin, ma secrétaire ou quelqu'un d'autre hein, arrive à désactiver la bombe. Là, je fais exprès de prendre la grande route. Hein. Eh ben voilà. Voilà. C'est désactivé. Maintenant, je peux rouler tranquillement. Sans faire la casse. Je peux freiner. Mais je vais pas quand même attendre trop longtemps. Hein. C'était pas facile comme mission. J'avais un bombe au cul, comme on dit. heureusement que c'est désactivé à temps. Hein. C'était vraiment chaud, chaud, chaud. Je pense que c'est une voiture de collection parce que je ne le vois pas du tout dans le garage. Ouais, elle est enveloppée. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le like et de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné, n'oubliez pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!